Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le reste du jeu par un sacrifice d'une pièce. Ici, une partie de Nash d'or contre Robach, qui s'est jouée au tournoi olympique de 1962. Le trait est au blanc. Et ici, les blancs jouèrent fou prend F4. Le but de ce sacrifice étant d'ouvrir la colonne E. E prend F4. D6. Alors, ce but à nouveau est d'ouvrir une colonne pour les pièces lourdes. C prend D6. Tour E1. Dame D8. Dame prend F4. Qui menace maintenant tour E8 échec. Cavalier D7, dame prend D6, échec, et les noirs abandonnèrent. Parce que, après roi F7, alors fou C4, échec, roi G6, dame G3, échec, roi H6, dame F4, échec, roi G6 et dame G5. Échec et mat. Très belle attaque de Nash d'or. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons le coup libérateur, qui est en fait une forme d'ouverture du jeu aussi, mais dans le but cette fois-ci de la défense. Je vous remercie.